Salut les amis, c'est Dimico, je cuisine et aujourd'hui au menu on va vous proposer une petite sauce toute simple, la sauce vierge. Alors cette petite recette les amis, c'est une petite recette estivale qui passe très très bien, très légère. Et l'huile d'olive c'est un produit quand même très très sain, donc faut pas hésiter. Hein. Alors allez revisiter avec d'autres produits, je sais pas si vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Dans son bac là simplement, et puis là c'est mis sur son petit poisson. Et donc cette petite sauce à la base c'est de l'huile d'olive, un peu de sel, poivre et puis du persil. Essentiellement. Bon, bah, nous, on l'a revisité légèrement et franchement, ça fait un truc plutôt sympa. Allez, c'est parti, mon pote à la compote. On a besoin donc d'un peu d'huile d'olive. Alors, pour une centaine de personnes, vu qu'on utilisera 1 litre d'huile d'olive, ça va suffire largement. 2 bottes de persil. On va y mettre une petite botte d'aneth, là, comme ça, magnifique. Un petit peu de ciboulette. Et on a aussi besoin d'une belle botte d'estragon. On va y mettre quelques échalotes. Ça, c'est pour mettre de la couleur, c'est pas une obligation. On y met un peu de tomate et de poivron. Et enfin, on va l'assaisonner aussi avec une petite pointe de citron qui va relever tout ça. C'est vraiment pas compliqué, c'est surtout de la découpe et ça prend pas longtemps. Hein. Une petite pointe d'espelette pour relever le plat, ça l'est pas vrai. Allez, c'est parti mon kiki. Première chose à faire, s'occuper des herbes. Donc là, je vais déjà y mettre mon petit huile d'olive dans mon récipient. Et je vais rajouter mon petit citron. Alors moi, j'ai pas de presse agrumes là au travail, donc je vais vous montrer comment on fait nous. Donc on va prendre une petite passette là comme ça, avec un petit récipient pour récupérer le jus de citron. Là, tu le presses comme ça, pour bien l'écraser, la pulpe et tout ça, et on extraire un maximum de jus, coupe en deux. Alors tu peux le faire à la fourchette, tu vois, tu prends ta fourchette là, tu perces encore un peu dedans là, et là tu le presses là, et ça va y aller tout seul. Là tu vas récupérer un maximum de jus. Allez zou. Donc, une fois que tu as pressé ton petit citron, tu vas l'incorporer dans mon huile d'olive. Alors c'est une émulsion instable, hein, t'es sûr que ça va se séparer d'ici tout à l'heure, on y remettra un petit coup de fouet. Je vais y mettre tout de suite une petite pointe de sel et de poivre. La petite pointe de piment pour relever tout ça, mais légère. Ce qui compte, c'est de donner un maximum de goût, quoi. Allez, passons à notre liste d'herbes. La ciboulette, tu vois, tu coupes ça finement, comme ça. Ça, c'est une sauce qui est riche en vitamine C, quand même. Et assez goûtue, ça dépend de la qualité de nos herbes, mais en général, c'est assez goûtue. Dans sa petite huile, je vais y mettre une belle botte d'aneth là-dedans. Alors, j'ai pas besoin des branches, ça, par exemple, c'est pas génial à manger. Ah, oh, cette odeur, magnifique. Et ouais, comme on dit les amis, la culture c'est comme la confiture, moins tu en as, plus tu l'étales. Je vais en étaler un petit peu là pour vous dire que l'aneth, eh ben, en fait ça vient du fenouil. Bon, ben, une fois que tu as préparé ton aneth, ben, c'est pareil, on la hache finement. Bon, moi je mets de l'aneth, hein, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une obligation. Là voilà, tu vois, c'est haché assez finement, là ça suffit. Et ben, on débarrasse dans son huile. Coupons-nous du persil maintenant. Petites effluves là mon gars, c'est magnifique. Allez où le petit persil? Bon, j'ai déjà fait un tuto dessus, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais le faire à la machine pour aller plus vite, tu vois. Je vais pas m'embêter, je retire juste les petites feuilles là, c'est les branches, j'en ai pas besoin. Allez, il y en a pour 5 minutes. 2 bottes, ça va le faire largement. Un petit tour de robot, coup par coup. Bah écoute, c'est pas mal tout ça, super. Hop, tu vois, tu prends ton petit persil, on met dedans. Tu vois, donc il faut quand même une belle quantité. Voilà. Alors pour le petit estragon, tu vois, tu prends les barres d'estragon comme ça, et là tu t'embêtes pas, tu tires dessus. Regarde, il y a tout qui vient. Et tu vois, ce qui t'intéresse, toi, c'est de manger les feuilles, hein, les branches, ça t'intéresse pas beaucoup. Bon, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu n'as plus qu'à le hacher grossièrement. Allez, zou, on débarrasse. C'est en train de prendre forme, là, tout ça. Pour la tomate, comme d'hab, tu prends, tu tournes autour avec ton pouce, là, clac, coupe en deux. On la vide bien, on n'a pas besoin de tout ça. Et on en fait des petits cubes. Ça, ça met cette petite pointe de couleur sympa au truc. C'est pas obligatoire, encore une fois, hein, c'est vraiment accessoire. Allez, zou, dans la sauce. Une fois que tu as fini avec ça, autour du poivron. Alors, le poivron, on va vous commencer à me connaître. Clac, on prend, on retire, on vire ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, dans la sauce vierge, il n'y en a pas, c'est vrai. Mais ça va mettre un petit peu de couleur. Des fines bandes comme ça, là, très fin. Accessoirement, on peut retirer cette partie-là. Le blanc, là, ça ne sert pas à grand-chose. On fait des petits tronçons, là, des tout petits cubes, là, comme ça, là. Ça va mettre cette petite couleur jaune super sympa, là, ça va faire ressortir le vert. Tu vois, déjà, ça sort bien sur le vert, juste comme ça. Alors, imagine, dans la sauce. Il n'en faut pas une tonne, hein, là, j'en ai mis un. Plus qu'à mettre l'échalote, hein. Alors, pour l'échalote, quand elle est grosse, tu coupes en deux, hop. On fait des petits traits dans la longueur. On passe au milieu. Et on recoupe finement, comme ça. Terminé. Bon, dans le bon sens, c'est mieux. Et ça, toujours pareil dans ta petite sauce. Donc là, je vais faire 5-6 échalotes. Hein. Alors la sauce, là, je ne vais pas la réserver au froid.
Je vais la réserver en prépa froide, à 10 degrés, parce que l'huile d'olive, ça fige. Là, je le fais au couteau d'office, mais ça se fait aussi au couteau de chef. Hein. Allez, goûtons voir ça. Ah, c'est divin. Ça déboîte et c'est pas sorti de ça. Moi, je peux vous dire un truc, ce petit poisson avec cette petite sauce vierge, là, c'est simplement une tuerie. Riche en vitamine C. On sent bien toute la profondeur des herbes et tout qui relève ça. C'est vraiment très facile. Et chez vous, franchement, il ne faut pas hésiter à vous le faire en 5 minutes, hein, parce que ça, vous recevez des amis, ça ne prend pas de temps à faire. Et franchement, c'est très, très bon. Et vous pouvez même assaisonner vos légumes avec, hein, sans aucun problème. Bah écoutez les amis, moi je pense que les gamins, ils vont s'éclater aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimico's Cuisine. À bientôt les amis.